Bah, t'arrives bien. J'ai lu que dans la coutume, dans la tradition, quand on est... Là, je vais plutôt laisser à mon oncle de remercier parce que là, je suis sur ses terres, alors tu vas lui donner directement. Merci José. Merci là, je te fais la bise. Merci. Merci beaucoup pour ton geste coutumier. Tu sais, dans la tradition kanak, quand on rentre chez quelqu'un, on montre... patte blanche. Et par ce geste-là, tu nous démontres que tu respectes nos valeurs culturelles, nos traditions. Et merci beaucoup. Merci on était droite. Et bien sûr, la bienvenue. On est ici. Bienvenue, voilà. Attention. Voilà, je cueille pour mon père. Tu vois, ils ont retapé un peu ici, mais avant, je vivais ici. Pour moi, c'est très fort. L'éveil est ici chez toi, en fait. Oui. Surtout, c'est que c'est le clan de mon père. Donc, ouais. D'où je viens, ma généalogie, etc., etc. Ça, c'est le berceau aussi. Oui. C'est ton berceau. Le père, les deux frères, ici. D'accord. Et les autres frères sont là-bas. D'accord. Tu vois ? Mais la base, la genèse, elle est la ici. La base est ici. Et là, il repose tous mes ancêtres. Ah bon ? Ouais. Oui, le père de mon père aussi. On parle toujours à nos anciens. Parce que pour nous, dans notre culture, il y a, comme je te disais, le monde visible et invisible. Il y a l'oral, il y a l'oralité. Ça veut dire que dans l'oralité, il y a aussi le monde du silence. Ça veut dire le fait que tu parles et l'autre, toi, tu ne parles pas. Très juste. Ouais, c'est plein de symboles, en fait, voilà. Tout ça. Le manou, c'est pas simplement un tissu. C'est justement toute la généalogie. Ouais. Toute la généalogie. Ouais, d'où on vient, d'où nos origines, etc. Donc en fait, à l'époque, il y avait dans la case, là, c'était la case de mon grand-père. Là, ils ont rénové un peu. D'accord. Ils ont mis des murs, mais à l'époque, c'est tout était en paille. Voilà. J'ai dormi dedans. Tu vois, là-haut, là, c'est la fiche fêtée. Mais pour mieux expliquer tout ça, quand même. Là où se repose mon grand-père, j'ai fait venir mon oncle. Ah bah tiens. Maman, on y fait.